Et à tous, aujourd'hui nous allons attaquer donc la différence entre la Hamza et le Elif. Alors pourquoi donc ce cours? C'est pour essayer d'éclaircir pour que ce soit plus simple pour les arabisants et aussi les francophones confirmés. Parce que là on va vraiment aller en profondeur dans l'écriture de la Hamza et le Elif. Donc je vais vous demander votre attention et un peu de persévérance pour pouvoir aller jusqu'au bout, parce que l'objectif, c'est vraiment de savoir différencier la Hamza et le Elif dans la lecture, et aussi quelles sont les règles qu'on applique pour pouvoir écrire la Hamza et écrire le Elif, que ce soit dans les particules, que ce soit dans les noms, ou que ce soit dans les verbes avec leurs différentes formes. Et les différents temps. Alors, allons-y. Alors, nous allons commencer d'abord par expliquer ce que c'est que la Hamza en termes donc d'écriture. Donc, la Hamza se présente au début d'un mot avec trois formes. Donc, la première, la deuxième et la troisième forme. Ça, c'est au début d'un mot. Au milieu d'un mot, elle va se présenter sous quatre formes. Donc, nous avons la première, la deuxième, la troisième et la quatrième forme. Et à la fin d'un mot, ça va être quatre formes aussi qui se ressemblent, mis à part ce symbole-là par rapport donc à celui-là, ce qu'on appelle Ra's Ayn al-Ya. Donc, c'est la seule différence entre le milieu et la fin du mot. Voilà. Alors, maintenant, le elif. Alors, le elif au début d'un mot. Donc, comment s'écrit l'elif au début d'un mot? Donc, pas de elif au début d'un mot. Donc, c'est plus simple et plus clair. Bon, ça va peut-être étonné plus d'un qu'il n'y a pas d'alif alors qu'on voit un symbole qu'on appelle habituellement le alif. Nous verrons plus tard comment appelle-t-on ce symbole et pourquoi ce n'est pas un alif. Alors, au milieu d'un mot, il se présente sous cette forme-là, une seule forme, et à la fin d'un mot, il se présente sous cette forme-là et cette forme-là. Voilà le alif. Donc, pas d'alif au début d'un mot. Au milieu, il se présente sous cette forme-là, et à la fin d'un mot, il se présente sous ces deux formes-là. Alors, maintenant, nous allons placer la Hamza et le alif côte à côte. Comme ça, ça sera plus clair pour pouvoir les comparer. Voilà. Et donc, nous avons au début d'un mot la Hamza qui s'écrit avec ces trois formes-là. Nous avons au milieu ces quatre formes-là. Et à la fin d'un mot, ces quatre formes-là. Le alif, quant à lui, pas de alif au début d'un mot. Au milieu, il se présente sous cette forme. Et à la fin, il se présente sous ces deux formes-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a ça et ça, qui se ressemble, ainsi que celui-là. Donc, on risque pas de faire un mélange entre les deux. Pourquoi? Parce que au début d'un mot, c'est clair, pas de alif au début d'un mot. Donc, ça, c'est une hamza, même si elle partage la même forme d'écriture. Je précise d'écriture, parce que la différence viendra plus tard, mais ça sera dans la prononciation. Donc la différence, c'est que au début, donc ça c'est une hamza, parce que le alif au début, ben il y en a pas, et au milieu on a le alif qui se présente donc sous cette forme là, et à la fin aussi il se présente sous cette forme là. Donc dans un mot, quand on voit ce symbole là, eh ben c'est une hamza. Quand on le voit au milieu, ben c'est un alif, et quand on le voit à la fin, c'est un alif aussi.
Alors, maintenant, on va voir la hamza au début d'un mot. Alors, donc, elle se présente avec cette forme-là et cette forme-là. Alors, la première, comment l'appelle-t-on? La première, on va l'appeler la hamza de rupture. Hamzat qata'a. La deuxième, c'est une hamza de rupture aussi. On l'appelle donc hamzat qata'a. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'on voit ce petit symbole, ce qu'on appelle ras ayn, au-dessus, et ras ayn en dessous. Et on verra plus tard pourquoi et quand est-ce qu'on met ce ras ayn au-dessus et ce ras ayn en dessous. Et la troisième forme, c'est une hamza de connexion, hamza, hamzat wasl en arabe. Donc, le mot que j'ai trouvé le plus proche, c'est hamza de connexion. La hamza, hamzat al-wasat, donc la hamza qui se trouve au milieu, donc on a vu qu'elle se présentait sous quatre formes. La première, ce qu'on appelle hamza sur le alif, al-hamza al-alif. La deuxième, c'est al-hamza al-waw, la hamza sur le waw. La troisième, hamza sur le ya, hamza al ya. Et la quatrième, c'est hamza sur la ligne, hamza, ce qu'on appelle satar, donc hamza ala satar. Et maintenant, la hamza de l'extrémité, donc qui se trouve à la fin d'un mot, ce qu'on appelle hamza al-mutatarrifa. Alors, se présente, comme on l'a vu tout à l'heure, sous quatre formes. Donc, la hamza sur le alif. Hamza ala alif. La deuxième, la hamza ala waw. La hamza ala waw. La troisième, hamza ala ya sur le ya. Et la quatrième, c'est la hamza sur la ligne satar. La hamza ala satar. Voilà. Les 11 formes de la hamza, 4 à l'extrémité, 4 au milieu et 3 au début d'un mot. Quant à au alif, alors au début d'un mot, on avait dit que pas de alif au début d'un mot. Au milieu d'un mot, donc on a cette forme-là. Avec des exemples comme le prénom Ammar, Alim, un savant, Malik, possesseur. Et à la fin d'un mot, on a cette forme-là qu'on appelle le Alif tendu. L'Alif al-Mamdouda en arabe. Exemple, Mubina, donc clairvoyant. Ou da'ifa faible. La deuxième forme à la fin d'un mot du alif, on l'appelle le alif rétréci. L'alif al-maqsoura. Exemple, yakhsha, il craint. Istawa, c'est se mettre à niveau ou prendre les commandes. Donc, au prochain cours, on va étudier un peu plus en détail la hamza au début d'un mot, hein, avec ces trois formes-là, qu'on appelle la hamza de rupture pour la première, hamza de qata', la hamza de rupture pour la deuxième, avec le ra's ayn en dessous, hamza de qata', et la troisième, c'est la hamza de connexion hamzat wasl. À bientôt.